Mais comment ça? Oui, on l'a acheté à quatre avec des copains de la télé. Ils sont fous? Mais avec quel argent? On a mis chacun entre 25 et 40 sacs. Ils sont complètement fous! Et toi, combien t'as mis? Moi, 45 sacs. Ah bah ça, c'est le bouquet alors. Mais alors faites des sacrifices, voilà comment on vous remercie. Oh, on peut pas arriver à boucler la fin du mois, mais monsieur s'achète une voiture. Ton père aussi, depuis l'âge de 13 ans, il travaille, il aurait voulu s'acheter une voiture. Ouais, et pourtant, c'est pas l'arrivée de maman. Non, mais une voiture à 19 ans. Mais te fâcheront pas, ils sont jeunes, ils en reviendront de tout ça. Oh oui, oui, mais enfin, franchement. Ah bon, allez, tiens, vous occupez pas et servez-vous. Tiens, tiens, serre-toi. Non, j'aime mieux pas discuter avec toi, tu sais. Allez, serre-toi bien. Et alors, et avec quoi tu vas la faire marcher, cette voiture? Ça bouffe au moins 12 litres au champ. Oh non, quand on sait bien la conduire, ça consomme 8 litres. 8 litres d'huile, oui. 8 litres d'huile, toi, t'es marrant, toi. Alors, alors. Ça ne fait pas rire, non? Allez, mange, Dédé, va. Maintenant que t'es revenu, j'espère que tu vas mettre un peu de plomb dans la tête à ton copain. Posez ça là. Lui, il était dingue avant de partir, mais alors maintenant? Et alors, est-ce que tu devais me donner sur ta paye? Où c'est? Je l'ai mis dans la voiture. Non, mais vous vous rendez compte? Mais comment je vais faire? Moi, on mange tous les jours ici. Et il en faut de l'argent pour manger. Ce matin, je suis partie au marché avec un billet de 1000. Eh ben, si vous saviez ce que j'ai rapporté. Écoute, mais rien, je vais toucher ma prime la semaine prochaine. Je te donnerai ce que je te dois. T'as qu'à faire des dettes, tu vas pas en mourir. Mais vous vous rendez compte? Voilà. On fait plus rien, puis ça vous tombe tout rentré dans le bec. Oh, bah, c'est l'Amérique, ça, ils se croient tous en Amérique.